Salut à tous, c'est Narev, on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Wasteland 3. On a terminé de visiter le musée du bizarre. On y a gagné certaines choses. D'autres, j'ai pas trop compris où c'était passé, mais c'est pas grave. Allez, tout le monde vient là. I hear the patriarch himself shops here Client du sometimes. bizarre, Not Gwyn the Talbot. patriarch. Alors, des relents de tabac et de tanins enveloppent cette femme rabot gris à la peau noire. Sans vous quitter des yeux, elle troque son vieux mégot mâchouillé pour une nouvelle cigarette qu'elle allume avant de parler. Ah, you look like tough sorts. Patriarch sent you. Whoever you are, we can certainly use your help. Some kind of beastie down in the Warrens or something. Talk to Flab up the stairs. Vous êtes Talbot? Au lieu de répondre, elle tire une longue bouffée de sa cigarette. Votre question ne semble pas l'avoir impressionnée. Que vendez-vous? Kind of depends on who's buying. For you, leather goods, protective gear, armor. Ok, des armures. Up to you if you, Allez, that's montre-moi ce why que t'as. I'm here. Ça, c'est des modes. Ouais, ça, c'est quoi? Casque de trooper. Tu le vends combien? 260 balles. Casque tactique, plus 4 à précision armure, jambière de trooper, vitesse de combat armure, armure trooper armure, plus 6, casque de tank, armure plus 6, jambière de tank, armure plus 6, armure plus 9, ah ouais c'est violent ça, les trucs de sauvage. Et les trucs tactiques. Ok. Ça a l'air sympatoche ce que t'as. Bon, on verra ça plus tard. Randy Get. T'es qui toi? Ce jeune homme roué, bardé d'outils, prêt à se mettre au travail, il se tourne vers vous sans s'arrêter de marcher. Hey strangers, I suppose you're here to help with the troubles down below. If you are, talk to Flab. But if you want to talk cars, I'm your guy. Randy's the name, local master mechanic. Not particularly. It's boring work. I only get pulled in if something breaks that a tender can't fix, so I spend most of my time just waiting here, like I'm doing now. Ça t'intéressera un poste de mécanicien au QG des Rangers? No offense, but you're a gamble in a hard luck casino. Don't like working in the bazaar, but it, some months ago, my dad wrote me that he thought he'd seen folks skulking around our homestead. I dismissed it. Our place has always been isolated and safe. They sent me a letter. My parents are dead, and they're holding my kid brother and sister hostage. I ain't even close to having enough money to pay the ransom. Even if I did, I suspect they'd just kill us all after I pay. So what's a guy to do? Je vais m'en occuper, hein. On peut aller chercher ta famille. Get them, get them. I don't normally condone violence, but if it's what it takes. Let me show you where to find our old homestead. I'll meet you there. See you there. Ouais. It don't take too bien long, sûr, okay? On va faire ça. Des intrus, alerte radioactive. Trouver quelqu'un pour travailler au QG des Rangers. Cauchemar au bizarre. Justice parallèle. C'est quoi ce truc là? Nuage radioactif. Ah ouais. Fanatique. Ah, mon corps en a besoin. Les terriers. Nouilles instantanées. Plus dense que l'eau. Ok. Talk to our boss if you're here to help. Talk to our boss if you're here to help. Alors là, il y a un passage. Normalement, c'est l'escalier qui monte. Ooh, déjà. Ouais. Bonjour, monsieur. Name's Hirsch, Lev Hirsch, but you can just, pig, $25. These days, this won't hurt a bit, promise.
Okay. Oh, used to be the veterinarian slash. Anyway, got a bit of a pickle of late. Ah, the self-medicating sort. Sure. C'est quoi, c'est take a look. Poste de premier secours. Waouh. Déploie un poste de premier secours de soins de campagne. Restaure 25% de constitution par tour à quiconque se tenant autour. C'est violent ce truc là. C'est hyper violent. Bon, on va aller voir Flask, enfin. Petite sauvegarde. I suggest you speak to Flap. Not that the bazaar is not perfectly safe, but well, you know, just talk to Flap. On peut faire quelque chose comme ça. Stay away from that safe, Flap. I suggest you speak to Flap. Flasque l'empiffreur. Mon Dieu, qu'il est laid. Wonderful music they make. What do you want of Jacob the Magnificent? This wonderful, wonderful. L'homme corpulent devant vous crache une paire de fausses dents de vampire et s'essuie la bouche. Let's never mind with the act, shall we? Rangers, I am so sorry you had to witness that horrible exploding pig. Truth is, you do not find us at the best of times. Ah bon, c'est un déconné. Pourquoi t'es déguisé? Comment vous pouvez être si calme au sujet des... Oh, bon, allez. Do not judge harshly, my ok, les rituels. I am calm because I must... Something, someone, some horrible unknown thing. You are the Patriarch's Rangers, yes? If he trusts you, so can I. Nothing we've done has helped. So your arrival could not be more fortuitous. We need your help. Combien de temps est-ce que ça dure? Deux semaines, non, trois? 2 weeks, maybe 3. Not long at all. A pig appeared out of nowhere, outside the bazaar. Ran into people have been disappearing ever since. And more pigs keep appearing. I need my masters to keep the place safe. We need outside help. Your help. Allez, on va y aller. I was on est des Rangers. You Rangers, the Rangers de risque. Generous souls. Go investigate. D'ailleurs, nous sommes tombés sur des pierres déguisées en clowns. As clowns, I see everything makes sense now. The makeup on the pigs, the horrible deaths. Okay. That explains who, in a manner of speaking, yes. What if it is Los Payaso? You ask too much of me, my friends. When he came to me, I did not hate. I appreciate the good. Most would have lied to my face, told me that the truth is that I see, and I would be a bad, decadent old right. But it's savagery for you, my friends. Be sure to check out our stories. They weren't the good old days. My your young friend. Vous n'auriez pas à subir tout ce lore. Those times were most regrettable. Bon, parlons d'autre chose et on reviendra. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Des intrus niveau 5. Allez, parler aux passeurs. On va devoir affronter les passeurs, on va s'en occuper. Les murs bien remplis, fanatiques. Alerte radioactive. Cauchemar bizarre. Purger les terriers des payasos. Ok. Allez, on va y aller. Allez, les gars. On va aller faire un petit tour en dessous.
should get something hot. We should get something hot to drink for the trip home. We'll come back on our way out. Dans les terriers, oui. Disco made me do it. Le disco me l'a fait faire. Alors, d'après les rumeurs, des trésors datant d'avant le déluge de feu seraient enfouis sous les terriers. Ah, alors, peut-être des choses intéressantes. J'aimerais bien m'occuper des passeurs également. Allez, on sauvegarde. Dans les terriers. Il y a des gens sympas ici, hein. Faut ouvrir ça. Okay. Pas de soucis, pas de soucis. Hein. J'ai juste discuté. Always good to see some friendly faces down here. Don't go near the cages, though. The little piggies are friendly, but oh, don't mind the smell. Nothing some fragrant flower beds wouldn't fix. Only thing is, we ain't got any of those down here in the Warrens. Je m'étonne. Qu'est-ce que tu peux me dire sur c'est quoi la tenue que tu portes? This? The traditional garb of the Monster Army tenders. Our job is to tend to our piggies, as well as do any maintenance needed to keep this place up. Ok. Qu'est-ce que tu peux me dire sur les terriers? Ah yes, dug out by the Monster Army ages ago. The whole tunnel network used to belong to us. And from what I hear, we had some fun in there. Nowadays, it's not safe. T'occupes des porcs ici? Pigs have been a part of the Monster Army and the Bazaar as long as it's been around. Not a common good out here, you see. Highly valued. Bien. So we keep them, well, not holy shit. Pig shit. Stinks like the bowels of hell. Nothing much I could... Hell no. I'd consider searching the deeper warrens, bah, je peux y aller pour toi, it's hein. Not safe there. Allez, salut. I will miss your scent. Oui. Oh. Ah, matériel médical. Ça, je peux le prendre. Tu vas rien dire. Non, merci. Petite trousse de secours. Là, il y a quand même quelque chose. Je peux l'ouvrir, celle-là? D'accord, d'accord. Mais il y avait un truc, hein. GG RIP. C'est quoi ce truc? Boîte d'alcool. What's up? C'est ce truc. Salut. Hey, 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 welcome to the house of DJ RIP. I take it you're here for the giveaway contest. Ah bon? Oui. All right, all right, all right. We're live in 3, 2, all right, everybody. It's time for another round of DJ RIP's Believe It or Not. We have some Red Rangers. The Rangers of Colorado. Get ready for the question, but first, a quick shout out to today's sponsor, the fabulous Chick Flicks Theater. Come see their shows, come again, then leave satisfied. Now, your question. In the year 1984, a giant marshmallow man attacked the city of New York. Believe it or not? J'y crois. J'y crois. A true believer, folks! And you may remember seeing that giant marshmallow man in the movies. But thankfully, the giant marshmallow man was never real. Still, we won't let a true believer go unrewarded. Right, listeners? Here's a little something for you. And for our listeners, this next one is dedicated to all you fellow believers out there. Alors... Qui tu es? DJ RIP in the house. Ok, qu'est-ce que tu fais là? Just have my booth up above, but they told me my sounds were bothering the fine folks doing their shopping. No, some creepy shit going on around here though. Those weird sounds coming from the Warrens ain't helping me, folks. Nah, it used to be a fine place to play some music and relax, but there's been too much weird shit lately, you know. Dommage, j'aurais bien pris un DJ aussi par chez moi. Le slime vert. Ou acide. Non. Ah, c'est pas dans la Camelot. Intéressant. Objet de mission, peut-être pas non plus. Divers. Slime. Bon. Bon, on va avancer par là. Frank Einstein. Whoa!
Shit, sorry. You startled me. I'm a little on edge. Was kept up all night by laughter. Just creepy, high-pitched laughter coming from deep in the Warrens. Do you know what that... I don't know. I was just trying to do my job. Something started squealing outside the door, and I opened it to see what it was. Then this pig ran past me and went straight up the stairs, oinking like a wolf man had his arm up his ass. Mm-hmm. I don't know. Man, I don't know. It's not like the job training covers exploding pigs. You feel me, man? No, oh la la. I don't know, man. This security door is staying locked now. First people start disappearing, and now this shit... Allez, Flash nous a demandé. Yeah, he mentioned he was sending down a team. Bah voilà. I thought there'd be more of you, though. Laisse-nous passer. Anyway, head right through. Good luck. Ouais, merci. On va voir ce qu'il y a là-dedans. Là. C'est quoi ce truc? L'arbre du désert. R2. Tessa. 88. Allez, tu viens là. Toi, tu vas faire ça. Marshall Kwon, tu viens là. Tu vas me faire ça comme ça, toi. Tu fais ça. Non, toi, évidemment, comme ça. Toi, t'avances d'un poil. Et tu vas faire une petite préparation. Ok, vas-y. Tu veux pas t'avancer plus, toi ? Voilà. Aïe 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 aïe. Ah oui, ça a fait très très mal ça. Quan. Voilà, très bien. Lucia. Ouais, fais-moi ça dessus. Ah, ok. C'est comme ça, ouais, tu vas prendre 5%. Ouais, mais là-dessus, tu vas gagner 35. Ouais, on va continuer tranquillement comme ça. Je pense qu'on a tué tout le monde. Les petites larves là. Alors, des dents de ver du désert. Ok. Anneau nasal. Carapace. Ornement dragon. Amélioration de véhicule. Cool. Et tout le reste, c'est de la camelote. Ok. On va avancer. Boîte de munitions. Ça c'est quoi? Allez, on va fouiller ça. 45 dollars et Camelot. Ça reste combien de temps à subir ça? 60 secondes. On va passer par là. Qu'on voit des choses ici. On va prendre Camelot, Camelot, de l'argent. Un simi en titane. Mode d'armure, ok. De l'argent. Ok, on est bon. On continue à avancer. Ah, ça sent de nouveaux combats ici.
C'était quoi ça? Parcmètre. Une petite sauvegarde. Ah, pièce d'argent, une pièce d'avant-guerre. On va en prendre une. On va savoir, ça servira peut-être à quelque chose. Caisse médicale. Ah, mais il y a quelque chose là. Ah ouais, ça va s'ouvrir de l'autre côté. Et Mammon, toc toc. Ah, des paiso. On va sauvegarder. On va ouvrir. Alors, comment est-ce qu'on va faire? C'est des trucs explosifs, ça. Alors, on va sauvegarder, puis on va se battre. Hein, parce qu'on n'a pas vraiment le choix. Voilà, on va venir jusque-là, tout le monde. On s'accroupit. Toi, tu vas carrément faire ça. Et ouais, tu vas tirer avec ça. Ah, jusqu'ici, là. Parce que ça c'est pas mal ici là. On va attendre que les autres ils y viennent. Allez, maintenant. Ah là, c'était pas mal. Là, j'avoue, c'était pas mal. Ça valait des points. Lieutenant Gloos, ça serait bien que ça explose aussi. Sérieusement ? Tu vas te mettre là-dessus. Là-dessus. Toi. Tu peux pas franchement tirer. Par contre, ce que tu peux faire, c'est faire quelque chose comme ça. Toi. Et te mettre comme ça. T'es ça. Ouais, tu vas te défendre. Et toi. Qu'est-ce que tu pourrais faire d'intéressant? Pas grand-chose, pareil. Hein. Voilà, allez, tous ceux-là, ils vont se pointer. Aux mèches allumées. Oh là, il va pas lui en manquer beaucoup, c'est dommage.
flèche allumée, ça c'est pas cool. Et je vois pas l'intérêt de ce que tu viens de faire. Arrêtez-vous. Bon, et ben on va relancer. Voilà. Ça a été vite réglé, hein, cette histoire. Alors, tout le monde se pointe ici. Ok. En fait, Pyrrhus, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te mettre toi aussi un lance-missile. Fusil de précision. Oh, bon, ça c'est fort. Je vais te mettre ça. Voilà. S'il te plaît, toi, est-ce que tu as ça là? Les robots, les véhicules, les synthétiques. Ah ouais, ça c'est cool. On va faire ça. On va refaire une petite sauvegarde. Et du coup, oui, c'est toi évidemment qui va faire ça. Charger cette capacité avec chaque attaque réussie. Lancer un missile nucléaire qui produit un nuage de radiation. On va faire ça. On peut tirer. Bah oui, oui. Ok, t'en as un ici. Ah, on en a que deux. Ok. Oh là. Ça c'est plutôt pas mal. Et toi, hein, du coup, tu vas me faire un truc comme ça là. Ah mince, tu peux pas tirer jusque là.
Voilà, on va essayer ça. Voir ça donne. Ah, c'est pas trop ce que je voulais. J'aurais pas fait que ce soit le cochon qui explose d'abord. Ouais, là il va être trop loin celui-là. Trop loin. Non. Oh, il l'a tué avant qu'il explose. C'est qui est là? C'est Pyrrhus. Pyrrhus, il va venir là. Toi, tu vas venir là. Comme ça, toi, t'es mort. Pour autant, tu peux te déplacer jusque là. Ah là, ça devrait le faire. Là, c'est les deux qui y sont passés. Ouais, comme ça, tu fais ça. Ensuite, toi. Tranquillement là-dessus, comme ça. Toi. Je pense que tu vas faire la même. Hop, comme ça. Et toi? Bah toi, t'es plutôt large. Allez, on les laisse venir. Il n'y a pas trop pris, hein. Ah, il va me tirer dessus. Ah, toi par contre, tu y as pris. Allez, mon petit chat. Alors, toi. Pyrrhus 36, tu vas venir en 86, donc tu vas venir là et tu vas l'arroser celui-là. Voilà, toi c'est pareil, 51, 56. On verra après. Toi, t'es hors de portée? Oh non. T'es tout sauf hors de portée. Un réservoir de carburant. Ça, c'était joli. Là. Toi.
On va faire ça. 95% réservoir de carburant. Bien la tête. Ouais, on va tenter quand même. Et voilà. Franchement, c'était un combat ardu, mais il est gagné. C'était un joli combat. Maintenant, on sauvegarde et on fouille. Et cochon explosif, c'est pas possible ça. Nez des clowns à perforer. Hypomètre, ça c'est bien. Uzi, ok. Munitions, je prends. Que de porc. Bren, mitraise lourde de niveau 7. Message Limerick. Partie 1. On est la chute de chaque vanne. Casque d'éclaireur. Précision plus 6. Perception plus 1. Armure plus 3. Oh, c'est bien ça. T'es ça. Probabilité de coup critique plus 2. Armure plus 3. Précision plus 6. Perception plus 1. Plus 3, c'est mieux ça. Yes. Toi, t'avais quoi? T'avais ça. La tempête annonciatrice. Non, c'était mieux ce qu'on avait. Ok, parfait. Tiens, utilise. Objet utilisable, voilà. Utiliser l'objet sur soi. Voilà. Maintenant, on va tout fouiller, évidemment. On va commencer par la pièce en elle-même. Pas de cadavres. De nombreux cadavres de l'armée des monstres ont été entassés dans ce coin. Certains ont l'air d'avoir été à moitié mangés par les cochons. Ça en prend, oui. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un vieux camion. Dollar du Colorado et photo Polaroid. Ah oui, on a gagné également. Hop. Commandement Rangers, note pour McTavish. Message de Limerick, partie 1. Ok. Là, on a quelque chose. Beaucoup d'argent. J'aimerais bien trouver les nouilles. Ça serait cool, ça. Quartier de prison. Ah ouais. Ouais, il y a encore plein de trucs, là. Alors, crochetage. Ok. Ça, c'est des ports normaux. Hein. Ils ont rien dessus sur eux. Bloc de glace. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Réserve de drogue. Ok, mais on s'en fiche. Un coffre. Ongelure, revolver de niveau 14. Arme de poing. Ok. Contre les humains, les animaux et les mutants. Waouh. Ah ouais. Ah ouais.
Dégâts contre les mutants, les animaux. On va prendre ça ici. Ok les gars, là franchement c'était le bon call. Cette porte ici, crochetage. Ça nous fait pas mal de points d'XP en plus. Tu veux pas t'allumer ici? Cadavre. Dollar du Colorado. Boîte de conserve. Grand récipient. Liaison plasma, mode arme, grenade IEM, boîte à clous, crosse, plaque, et pas dis donc. C'est bien ça. Revolver de l'armée, niveau 9, 49-59. Encore toi. 54-65. Probabilité de coup basique 90. Dégâts critiques 2,1. Coup critique 10%. Pénétration 6. Ah, celui-là il est mieux. Hein. Ok. On est bon ici. Qu'est-ce qu'on a là? On va essayer de passer ici, là, sur ce coin-là. Ça a l'air d'être grand par là. Par ici, juste une pièce, on dirait. Allez, on va venir par là. Un tas de cadavres, encore. Allez, on va faire une petite sauvegarde. Alors, un récipient ici. Cassette audio. L'élevage de cochons pour les nuls. Je suis pas sûr qu'on puisse le faire pour le moment. On va continuer à fouiller. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Récipient. Mission Payos, masque porcin, dégâts contre les animaux plus 15%. Ah, on va peut-être l'utiliser contre l'autre créature. Some of you pendejos keep asking me, what the fuck are we doing in this shithole? It's simple. See, we're gonna disrupt the market. Yeah, the whole market. It's the great joke, you know. Fucking place to a standstill. Gonna teach these cabrons how to laugh if we gotta kill them all to do it. We'll be treated as liberators. What I'm saying is, we gotta destroy the bazaar in order to save it. Now, get the fuck out of here. I need some executive time with Señorita Puerca. Ok. Hop. On va faire ça. L'ordinateur. Cet ordinateur terriblement lent sert à contrôler le bloc carcéral des monstres. Commande de température. Les systèmes de dégivrage. Activer l'historique des prisonniers. L'historique des gardes. Et on s'éloigne. Ok. On a
fait ça, donc on doit pouvoir ouvrir cette porte-là. Ok, on crochette. Ah, ah, quelqu'un. Le doyen. Oh, t'es qui, toi? Ave ad cum vale. Salut. Acta non verba. D'accord. Lunettes à pointe rouge, capsule à plasma. Okay. Il y avait rien d'autre ici. Ah, il reste encore une cellule ici. Utiliser la clé de stockage 105. D'accord, ça monte par où là? Je sais pas. On va avancer, on va voir. Caisse de munitions, oui, on veut. Ici, on veut aussi. Scie circulaire. Caisse médicale. Médifléchette, ok. Y a rien d'autre. Voilà qui est curieux. Bon. Ah, il me suit peut-être. Allez, on va se tourner par là. Tiens, suis-moi. On va passer là, on va ouvrir cette porte. Petite sauvegarde. Il a beaucoup de PV lui. 194. Autant dire que non. C'est quoi ça? Il y a un clown. Ouais, effectivement, c'était un clown. Le parc-maître. Il devrait y avoir une petite pièce dedans. Ouais. Allez, tiens, viens par ici. Ah, on pourrait avancer par ici. Ah, mais il y a des... Poisano ici. Alors, on va faire une petite sauvegarde. On va partir par la voie. L'extérieur du bizarre. Oh oui. On va voir où on va tomber. Ah, alors où est-ce qu'on tombe ici? Ah, on tombe directement là. Plutôt intéressant. On va aller désamorcer ça. Mais je vois que la vidéo fait déjà presque 50 minutes. On va s'arrêter là pour celle-ci. Parce qu'il nous reste encore beaucoup de choses à explorer. Bah, il y aura tout ce gros combat-là à faire. Plus tout ce qui nous entend encore en dessous, ça fait beaucoup. Donc on va s'arrêter là pour cette fois. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, voire à vous abonner à la chaîne si vous en aimez le contenu. Dans ce cas, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de ne rien manquer des vidéos apparaître sur la chaîne. Et bien évidemment, vous le savez, n'oubliez pas de partager, car le partage, mes amis, c'est la vie. Allez, à ciao, bye bye.